Bonsoir à tous. Ben voilà. Donc, on va voir aujourd'hui, je vais vous montrer pour la technique de réalisation des queues de ronde avec les machines, la scie arrivant et la défonceuse. D'accord. Pour cela, il faut commencer par le traçage et après la réalisation de l'assemblage. Je ne vais pas rentrer dans les détails du traçage, mais pour que vous compreniez ce que je vais faire là-bas, une petite révision. Ici, nous avons l'endroit de la rainure, l'emplacement de la rainure. Ici, l'épaisseur de ma queue de ronde. Donc, quand je vais tracer, la première chose à faire, c'est de positionner un point ici à 1 mm juste en dessous de la rainure et je fais la pente. J'ai ma première queue, enfin, ma première joue de la queue. Cette distance que j'ai ici, je vais la reporter ici. Et j'obtiens une grande queue de ronde. Après, je vais chercher à faire une queue de ronde plutôt jolie. Et après, je fais la pente. Ici, c'est de 3 mm environ. 3 à 5 mm. 5. Ouais. 5 mm. Et puis après, la queue de ronde, il faut qu'elle soit belle. Vous êtes d'accord avec ça, c'est bon? Ouais. Et là, je fais uniquement le traçage pour les queues de ronde pour la façade.